بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. شيخ سير شيخ خير، مرحبا بكم يا سيد نور جوان سو كانال الجيري. D'être fidèle à votre émission Canal Algérie. Merci pour le docteur Djouhri, Boualem Djouhri, qui est là pour répondre à vos questions. Djouhri, nous mettons comme à l'accoutumée, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone et un email pour poser vos questions et qui vont s'afficher sur votre écran. Et, Inch'Allah, à la barakatillah, nous entamons les questions, docteur Djouhri. La première question est la suivante. Bonjour et merci pour votre émission. Ma question concernant le prêt immobilier. Ça vient à chaque fois souvent. Oui. Je me suis renseigné au niveau du Conseil du culte musulman européen. Ils m'ont autorisé de le faire suite à quelques obligations. Mais il y a d'autres, ils m'ont dit que c'est interdit, c'est la riba. Je veux bien savoir, monsieur, votre avis concernant les prix les prêts immobiliers. Je vous informe que j'habite en France et j'ai 4 enfants. Je suis dans un appartement, dans un immeuble. Merci en avance, monsieur, cordialement. Sid Ahmed. Je sais pas si je suis dans un appartement, dans un immeuble. C'est-à-dire, il est locataire, peut-être. Il n'a pas précisé. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معليش تفضل لوكاسيون il faut mettre les détails nécessaires parce qu'à chaque fois il y a un détail qui soit déterminant pour la réponse de la question. Donc il habite, est-ce que c'est un locataire, est-ce qu'il possède c'est un locataire et ça veut dire aussi que ça veut dire il habite peut-être dans un petit appartement et puis c'est une famille nombreuse quand on compte les nombres de la famille, une famille nombreuse. C'est-à-dire, ça implique qu'il y a peut-être une certaine nécessité de changer déjà de maison ou d'appartement, et puis une nécessité s'acquérir aussi, c'est-à-dire un bien à lui, oui. En son nom, en l'achetant. المهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبالله التوفيق شرف الريزيسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته là c'est une question qui se répète toujours il y a quelques années et nous avant que le Conseil européen de la fatwa donne cette fatwa là chez nous on a connu ces questions là et le haut conseil islamique, le Majlis Islami al-A'la, lorsque Cheikh Hamani, Ahmed Hamani, rahimahullah ta'ala, était le président, en quelque sorte, de ce conseil islamique, a traité cette question, ce sujet-là, et a donné sa fatwa en toute âme et conscience que la nécessité lève l'interdiction. C'est-à-dire, ça rentre dans les nécessités, malgré que ce ne sont pas en quelque sorte, ce n'est pas une nécessité de vie ou de mort, hein, parce qu'il y a dans la jurisprudence islamique ce qu'on appelle la nécessité, varoura, et ce qu'on appelle la gêne, non, le besoin, cette affaire-là, le besoin, l'haja. Mais il y a aussi une règle qui dit c'est-à-dire le besoin est considéré comme étant une nécessité. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ça, il a levé la gêne, soit concernant la nécessité, soit concernant le besoin. Concernant la nécessité, il a dit dans beaucoup de sourates, il a dit فَمَنُ اضْطُرَّا غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. C'est-à-dire celui qui est dans la nécessité ne recevra pas un châtiment au jour du jugement dernier s'il s'est permis de pousser en quelque sorte ou de repousser cette nécessité-là par le fait de faire ou de tomber dans quelque chose qui est interdite. Et pour le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit dans beaucoup de sourates « Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj » parce que quand il y a nécessité,
Ça veut dire qu'il y a en quelque sorte istihalat al-hayat, c'est-à-dire l'impossibilité de poursuite de vie. Et quand il y a le besoin, il y a cette continuité de vie-là, hein, mais il y a une grande gêne, c'est-à-dire haraj kbir, ضيق ضيق وحرج يعني وحرج, شقاء. etc. C'est ça ce qui diffère le besoin et la nécessité. Malgré que l'appartement, la maison, Et le même et foyer, le etc. besoin et la nécessité rendent les Barakallahu fait, c'est ça. C'est-à-dire, et le besoin et la nécessité peuvent lever l'interdiction. Al-Hajj, Barakallahu تنزل منزلة الضرورات في إباحة fait. المحظورات. بارك الله فيك. الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات. Et puis, il y a certaines conditions, bien sûr, c'est-à-dire certains points à respecter, que ça sera, c'est-à-dire ce sera pas une maison ou un appartement de luxe, c'est-à-dire une deuxième demeure, ça sera, c'est-à-dire la seule demeure, la seule maison de cette petite famille-là, ça sera pas quelque chose de luxe. Et puis toute nécessité sera c'est-à-dire prise en considération par le hajm ta'a, c'est-à-dire non pas dépassé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faman udhtura Il ghayra faut se baghin, limiter, on est barakallahu juste, il fik, il faut faut se se limiter. limiter à cela, faman udhtura ghayra baghin wa la Il adin fa la ne faut ithma pas alayh, dépasser. c'est-à-dire sans abuser ou sans transgresser, sans abuser, hein, dans cette nécessité-là, et sans transgresser un droit d'autrui, un droit de quelqu'un d'autre. Alors, et puis, il n'y aura pas aussi d'issue, hein, quand il n'y a pas aussi d'autres issues pour s'acquérir ce bien-là. C'est-à-dire, celui qui va acheter n'a pas d'argent de côté, ne peut pas emprunter peut-être chez des particuliers ou même chez des institutions, etc., sans ces intérêts-là qui rentrent dans l'usure, etc. Et puis, la troisième condition, il faut avoir cette certitude-là que vous avez commis en quelque sorte un péché par nécessité, et il faut en Non, quelque mais sorte. c'est pas commettre le péché, mais que vous Voilà, êtes dans l'exception. vous êtes dans l'exception, et Parce que il faut avoir en quelque sorte cette envie-là aussi de s'en débarrasser de ces échéanciers, etc., le plus tôt c'est possible. plus fort que toi. Si Voilà. tu vous Bin avez bien d'évoquer cela, docteur Johri, parce qu'il faut préciser une chose. Il faut distinguer, il faut une nette distinction entre Ouais. deux niveaux. Niveau le fiqh, la jurisprudence, Ouais, le hukm, hukm qu'on appelle le et le hukm. fatwa. Barakallahu fik, Le voilà. fatwa varie, Vari, elle change, voilà. mais le D'un fiqh ne cas à un change autre. pas. Ouais. Le niveau de le fiqh nous dit qu'il y a un Hukm. intérêt sur une marge sur un prêt ou un riba. Il Voilà. reste Ça ne riba, change c'est de pas l'usure. au jugement de la charia, c'est-à-dire ça reste toujours haram. Le fait que vous soyez dans la nécessité ne le rend pas licite. Voilà. Il reste usmu riba. Ouais. Seulement, vous Istithna'an. avez cette exception. C'est-à-dire, yibqa usmu riba. C'est Oui, de ben l'usure. oui, ben oui. Seulement, marfou alayk al-ithm. Voilà, inshallah. Parce que si vous êtes rohtliya, c'est le fatwa. À un niveau, tu as le Le fatwa qui fatwa, varie selon ouais. la personne, selon les circonstances, Les selon les lieux. circonstances, le... ouais. Mais le fiqh, au niveau de ta foi, c'est pas toujours. Barakallahu fik. كل قرض جرى من فاعتين فهو Et pour ne pas ouvrir les portes à ceux qui nous voilà. disent « Ah, bon, vous changez Non, le le fiqh ne jugement, change pas. vous changez le fiqh, vous changez, Non, c'est le etc. » Non. réalisme de Oui. l'islam. Et Ouais. docteur Johri, Oui. nous avons au bout du fil Dalila de France. Allô? Allô? Allô, marhaba. Barakallahu fik, merci beaucoup. Barakallahu Je vous remercie beaucoup pour cette émission. fik. Merci. En fait, moi, ma question, c'est que Yima la yirhamha a tout fait en 2015. Et elle a laissé des bijoux. Par contre, nous, on est trois sœurs. Trois sœurs. Et trois sœurs et sept frères. Et Et par sept contre, frères. y a mes sœurs qui demandent leur part de bijoux. Et après, moi, qu'est-ce que j'ai dit à mes sœurs? J'ai dit, voilà, normalement, il est trop le
parce qu'elle est décédée, elle nous a rien donné quand elle était vivante. Voilà. Voilà, j'ai dit que quelqu'un de chez elle ne nous a rien donné, maintenant la situation a changé. Maintenant, voilà, elle est décédée, tout au fait, là, Irhamra. Donc, les bijoux, ils sont dans l'ouest. C'est de l'héritage, oui. Voilà, après elles m'ont dit non. Là, elle est en train de marceler pour que je leur donne leur part. Et C'est voilà, le maintenant, frère qui... c'est des conflits, quoi. On est en conflit, juste, voilà, juste pour ça. Ah, d'accord. Sinon, Pourtant, c'est docteur Johri, oui. Vous avez une question? Salam alaikum, ma soeur. Je vais vous donner une simple question. Est-ce que votre mère n'a laissé derrière elle que ces bijoux-là? Oui, c'est que des bijoux, oui. Voilà, d'accord. Oui, mais la yarhamha fichyatha, tous les jours, pardon, elle disait toujours ça. Mais qui est au fait, quand elle Voilà. est vivante. Elle Après, ne nous a pas fait une donation. voilà. Et après, quand on dit quoi fait, normalement, il trouve le vote. Et surtout, un des autres, déjà, quand ma mère, la yarhamha, elle est décédée, mon père, enfin, et tout. Donc, voilà, ils n'ont rien du tout. Donc, là, voilà, normalement, on met tout ça. Au moins, ils douchent, elles m'ont dit non. Toutes les deux. Elles m'ont dit non. Ou d'hab, il est chez moi. Ah oui, d'accord. Voilà. D'où le souci, voilà. Voilà. Et sinon, je voulais juste une deuxième question, s'il vous plaît, si c'est possible. Baraklaoufik. Voilà, c'est toujours des conflits. Toujours, il me rabaisse. Toujours, des gros mots. Des gros mots. Il me rabaisse, il me rabaisse. Ou à chaque fois, il me dit ça. Presque, il le dit 4, 5 fois par jour. Il le dit. Et après, un autre, je sais pas, il a un deal sur ça. Et je lui dis, ma chère Adjil, vas-y, ma chère Adjil, il a mis le parce que moi, j'en ai marre de toi. J'en ai marre, tu me rabaisses tout le temps devant mes enfants. Et moi, je m'en fiche. Et si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire. J'ai dit de quoi, un qu'à chaque fois, il me dit ça. Et en plus, ça fait plus de 4 mois. Comme je suis nounou, donc voilà, j'ai aménagé ma chambre. Et c'est pas ça le problème en fait. J'ai aménagé ma chambre pour. Enfin, j'ai mis des jouets, des lits et tout ça pour garder des enfants. Et là, sa fille, elle lui dit, la semaine dernière, elle lui dit, mais papa, toi, tu abuses, pourquoi tu dors dans le salon? Parce que ça fait plus de 4 mois qu'il dort dans le salon. Et sa fille, elle lui dit, pourquoi tu dors là-bas? Pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Et lui dit, Billy, voilà, c'est parce que ta mère, elle travaille, elle garde des enfants là-bas et tout ça. Moi, c'est à cause des enfants que je dors pas là-bas. Et pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Pourquoi tu dors dans le séjour? Normalement, plus de 3 jours, c'est haram. Et il me dit, je te fais comme il a fait ton père à ta mère. C'est que des insultes, c'est que des gros mots. Voilà, c'est de quoi Mais m'arrive-tu? lui, il n'a pas, madame, s'il vous plaît, lui, il n'a pas prononcé love talak. Non, Hein? ma kalish rakim talqa. Il dit D'accord, toujours c'est des menaces. C'est des menaces, Voilà, c'est des menaces. Puis à chaque fois, il me menace. Elle garde des enfants pendant la nuit ou pendant la nuit? Toujours le même rythme. Franchement, c'est pas une vie. Tu me rabaisse devant mes enfants, c'est pas normal. Et la question, madame, c'est qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous dis la vérité. C'est moi qui veux. Voilà. Est-ce que c'est permis, c'est-à-dire? Voilà, donc à il a un isthme sur ça. Est-ce que je commis une. Je sais pas. Je sais pas. D'accord, c'est clair. Barakallahu fikoum, merci Marhaba, beaucoup. on va vous répondre. La première, docteur Djouri, concernant l'héritage. Alors, pour la première question, c'est très clair. Du moment que votre mère n'a pas fait de donation pendant sa vie pour quiconque de ses enfants, ce qu'elle a laissé derrière elle, ça veut dire c'est quelque chose qui ressort de l'héritage. Il doit être, s'il y a conflit bien sûr, hein, il doit être partagé selon les parts désignées par Allah subhanahu wa ta'ala. Yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari Comme c'est mithlu détaillé dans hadhayni le Coran. mithlu hadhil unthayayni. C'est-à-dire 7 frères,
Il y a 14 parts, plus 3 sœurs, il y a 3 parts. Du moment qu'il n'y a pas le père, Wallahu alam, c'est ça. Normalement, ce sont les seuls héritiers. Alors, il y a 17 parts. À chacune des filles, une part sur 17. Et chaque garçon, deux parts sur 17. Lorsqu'il y a conflit, mais s'il y a en quelque sorte une bonne entente entre les frères, etc., pour que peut-être il y en a d'entre eux qui vont laisser leur part d'héritage pour les autres, etc., ça Cela, aussi c'est encore mieux, c'est c'est encore permis. mieux, bien. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé l'héritage, c'est-à-dire les vrais jurisconsultes, les fuqaha, les vrais jurisconsultes disent que on doit appliquer ça lorsqu'il y a vraiment litige. Là, la charia va trancher. Mais lorsqu'il y a consentement, il y a, c'est-à-dire une Un entente entre frère dans les le héritiers, besoin, une voilà, sœur qui etc., est. c'est permis de faire le partage autrement. Voilà. Donc, c'est Barreda, Voilà, dans le Barida, consentement. Barakallahu fik. Et puis pour Sinon, la... dans ce cas, il faut revenir aux règles de Et voilà, l'héritage. c'est ça. Là, normalement, il y a en quelque sorte litige, etc. Il Donc, il faut faut. revenir 17 parts, une part sur Chaque 17, garçon, deux deux parts sur... parts, Voilà. chaque fille, une Non, part. une part. D'accord. Allahu alam. Voilà. Non, on peut... Deuxième question. Pour la deuxième question... Oui, vous avez tout le droit de demander le divorce après, bien sûr, réflexion. Et là, vous êtes, c'est-à-dire sur une période très, 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 très longue de disputes, etc. Vous êtes dans l'endurance, alhamdoulilah, ça va. Mais si vous ne pouvez pas continuer avec ce mari-là et vous voyez que la meilleure solution, c'est de se séparer et de demander divorce, oui. Et puis, il y a, c'est vrai, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique chez beaucoup de savants, où le prophète alayhi wa sallam a dit « Ayyuma mra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghayri ma ba'sina »« Min ghayri ma ba'sina » Je précise, hein, « Lam tarih ra'ihat al-jannah » C'est vrai qu'il y a ce hadith-là, mais... Il faut préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min ghayri ma ba's, c'est-à-dire il n'y a pas de tort, il n'y a pas une certaine gêne, il n'y a pas il y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui la pousse vraiment à demander ce divorce-là. Hein? Là, oui. Il faut garder son foyer, il faut stabiliser son foyer, il faut œuvrer dans la stabilité La du foyer. Voilà. docteure, on n'incite pas les femmes à Voilà, c'est demander le ça. divorce. Mais quand il y a cette vie-là qui perdure avec les menaces quotidiennes, je vais te divorcer, je vais te divorcer, je vais te divorcer, et puis peut-être Les même insultes et qui l'abattent, et devant puis les autres. les insultes, et puis voilà, ben, les insultes sur ses parents qui sont déjà défunts, Rabbi Rahmahoum. Il lui rappelle peut-être quelque chose concernant ses parents, elle, hein. C'est touchant au quotidien comme ça. On ne peut pas être endurant jusqu'à l'infini. Il aura l'effet de la goutte d'eau, comme on dit. Barakallahu fik, Mais qui va déborder quand le même, il vase. faut être Ouais. sûr de ses sentiments, Mais parce voilà, c'est qu'on ça. ne demande pas lorsqu'on est dans un moment de colère Ouais. où on perd la. Mais il y a quelque chose qu'on Puisqu'il y demande a à des cette enfants, sœur. puisqu'ils ont des Barakallahu enfants fik. Moi, entre je eux. demande à cette sœur-là. Bon, Oui. du moment qu'il a donné comme alibi pourquoi c'est-à-dire, il dorme dans le 6 jours, etc., que vous avez transformé leur chambre en une chambre d'enfants pour accueillir d'autres enfants, etc. Là, essayez en quelque sorte d'enlever cet alibi-là. Essayez d'aménager une autre chambre, peut-être dans la maison, Mais comme les ça. enfants finiront par comprendre, hein, parce qu'ils ne sont Voilà. pas des Ouais, débiles. ouais. Comment Mais quand même, essayez d'œuvrer dans ce sens. S'il n'y a pas changement, oui, vous avez tout le droit de demander divorce. Divorce. Et Oui. nous avons Madame Ania de France. Allô? Madame Ania de France. Oui, allô? Oui, marhaba. Oui, bonjour monsieur. Marhaba, bonjour. Ben voilà, je vous ai appelé pour vous poser une question pour les prières.
Oui. Alors voilà, pour les prières surrogatoires, quand on a fait prière obligatoire, à quel moment on doit faire les prières surrogatoires après celle obligatoire? On n'a jamais rien compris, chacun ce qu'il nous dit et on ne comprend pas comment il faut faire. C'est-à-dire les prières surérogatoires liées à la prière obligatoire. Par exemple, on a fait la prière obligatoire. Oui. La prière surrogatoire, alors il y en a qui nous disent qu'il faut faire deux avant et deux après. Est-ce que c'est vrai ou il y en a d'autres qui disent qu'il faut faire les quatre d'un coup et attendre celle obligatoire? Est-ce que là, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus qui dit vrai, quoi. Oui, c'est clair. On va vous répondre, madame. Marhaba. Comment? On va vous répondre, c'est clair. D'accord. Marhaba. Vous avez une autre question, madame? Oui, j'ai une autre question. Voilà, je connais quelqu'un, c'est des amis, ils sont ensemble, ça fait plus de 20 ans. Oui. Et ben, ils n'ont pas pensé à faire le mariage, ils vivent en concubinage ou quoi. Et ils ont des enfants. Est-ce qu'il est trop tard pour faire l'ahlal ou pas? D'accord. C'est le docteur Touré qui va vous répondre. Oui, madame. Madame. La Alors, première question. concernant la première question, ce n'est pas très, très, très important. C'est-à-dire d'essayer de se brouiller les pistes, etc., pour accomplir 12 rak'at dans la journée. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il les ratait, il les rattrapait pendant la nuit. C'est-à-dire, il faisait ces rawatib-là. Ça veut dire que c'est une sorte seulement de facilité. Qu'on doit chercher les moments qui nous parviennent, voilà, ou qui nous conviennent, cette affaire-là, pour accomplir ces rakaat-là. Dans notre école juridique Question, malikite, justement, question. voilà, ces deux rakaat avant subh, quatre rakaat après dhuhr, Et avant d'en rien pas. cette affaire, la zouj, deux avant dhuhr, quatre après dhuhr, deux après le Maghrib et deux après l'Aïcha. C'est-à-dire, Selon le... selon la disponibilité. Ça veut dire selon la disponibilité. Donc, deux raka'at avant dhuhr, quatre raka'at après dhuhr pour celui qui travaille. Maintenant, c'est le système social, le système de travail qui a changé c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a entendu dire que pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens travaillaient beaucoup le matin, c'est-à-dire juste après le fajr, jusqu'à salat dhuhr, et puis toute l'après-midi, ils sont rares les gens qui travaillaient l'après-midi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a en quelque sorte arrangés comme ça, deux juste avant dhuhr, quatre après dhuhr, etc. Sinon, si vous travaillez, vous allez en quelque sorte vous allez vous arranger comment, en général, c'est-à-dire à la fin de la journée, vous Dans aurez la mesure du 12, possible. dans la mesure du possible, vous aurez 12 raka'at. Voilà. C'est-à-dire le Ça souci, s'appelle rawatib. je comprends le Oui. souci de Dr Touré. Enfin, un de vos soucis, c'est-à-dire concernant ce Oui. thème-là, c'est-à-dire les travailleurs. Le travail qu'il laisse son poste, Oui, il il roule, s'allie il va Nafila. dire bref, Nafila. Alors il a Nafila, laissé son pourquoi? poste. Non, Pourquoi? vous n'êtes pas. Oui. Ben, vous... Non, L'adjoint peut-être. taak le poste de travail taak. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ça Faut dépend. faire seulement ces quatre raka'at de dhuhr et puis continuer son travail. Et quand vous allez rentrer du travail, juste avant l'Asr peut-être, ou même entre le Maghrib et l'Aïcha, vous allez faire ces raka'at-là. Ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire, shkliya, ce n'est pas formel comme ça. Il faut être selon la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein. Oui, le prophète a.s. a fait ainsi, et peut-être il a aussi donné en quelque sorte ses enseignements à ses compagnons pour faire ainsi, selon un mode de vie qui existait à cette époque-là. Voilà. D'accord. Sinon, c'est pas. On doit rester sur la forme, Berka. Mais Ouais. pour la deuxième question, c'est Pour un la peu deuxième simple et délicat, question, c'est... ben. Là, il y a trop de détails, bien sûr. Hein.
Déjà, s'il y a en quelque sorte cette envie-là de faire le halal et de légaliser cette union-là, Après hein, 20 ans. après 20 ans et les enfants, etc., d'abord, il faut, bah, selon une école juridique, hein, Hanifite, voilà, je précise bien, il faut déjà se séparer pendant une période de viduité. Hein, c'est-à-dire que cette femme-là doit observer une certaine période de viduité, ثلاث قروء ولا ثلاث أشهر, etc., trois عدة mois, العدة, et puis ils auront en quelque sorte recours à la fatiha, au mariage qu'ils appellent en France le mariage religieux. Il y a pas de mariage religieux et mariage, c'est-à-dire il y a un seul mariage. Ils ont déjà des enfants. Ouais, ils ont Et déjà les des enfants. enfants et restent selon la loi française, hein, selon la loi française, ils sont affiliés peut-être à leur père, etc. Mais par rapport à la charia, ce ne sont pas vraiment des enfants légitimes. Ouais. Il faut aller vers demander des détails. Par Ouais. exemple, si l'imam Mais Hamad. ils peuvent, inshallah, légaliser D'une leur manière ou union. d'une Ouais, autre, voilà. c'est-à-dire Mais après une période de viduité, c'est-à-dire ils doivent délicat. se séparer pendant un certain moment. Il faut aller Et chez il faut, l'imam, à la mosquée de Paris, il faut se Mathalem, rapprocher, la grande mosquée de Paris, auprès pour d'un d'autres imam. détails, Oui. parce que c'est délicat un peu. Oui. Bon, docteur Djouhri, je ne sais pas si c'est le temps de la transition. Une autre question. Bonjour. Oui. Je suis française, mariée à un Algérien depuis 27 ans. Je n'ai jamais fait le halal, n'a pas fait le halal, mais je pratique la religion depuis 26 ans. Est-ce que mon mariage est quand même reconnu ou je suis dans le péché? Oui, votre mariage est reconnu. Moi, Elle n'a pas fait le vous êtes. halal. Non, non, elle dit je suis mariée. Mariée à. C'est-à-dire, ils ont fait l'acte civil. Ben, du moment que vous avez fait l'acte civil et Je n'ai vous pas êtes fait le cons. halal, c'est Le le halal, c'est le. fatha. Barakallahu fik, le fatha, ce qu'ils appellent le mariage religieux, etc. Là, du moment déjà que vous étiez non musulmane et puis vous êtes converti à l'islam, l'acte de mariage qui était entre vous et votre mari est considéré, il continue son effet. Vous êtes toujours mari, voilà, époux et épouse. Il y a un acte de mariage. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une dot concernant ce mariage-là? Là, ça Ça restera se rattrape. symbolique, ça rattrape à votre mari seulement de vous donner une dot comme ça. Soit un peu d'argent, je sais pas, un bijou, etc., pour au moins, c'est-à-dire sur la forme, hein, pour légaliser cet acte de mariage-là, qui est considéré jusqu'à maintenant. Hein. Non, c'est mal, docteur Joris, c'est-à-dire votre réponse est valable en supposant qu'ils ont fait l'acte civil. Non, là, c'est ça, mais elle dit là, je suis marié à un Algérien. Et puis Ah, elle dit donc, à la fin, on n'a pas fait. Ah. est-ce que mon mariage est quand même Reconnu. reconnu? C'est-à-dire, elle fait l'acte civil, mais elle n'a Barak. pas fait le Voilà. fait Ouais. avec le. Hein, D'accord. ça suffit normalement. Voilà d'autres problèmes. Quelle est la règle? Qu'est-ce qu'elle doit faire une femme enceinte non mariée? Je sais qu'elle doit accoucher, mais pouvez-vous me confirmer Ben oui. ce qu'elle doit faire? Ben oui, selon notre école Non juridique, mariée, elle est selon enceinte. notre école juridique, Malikite, elle ne peut pas se marier pendant cette grossesse-là. Même qu'elle est, c'est-à-dire une grossesse, on va dire, issue d'une relation illégitime, voilà. Mais quand elle Puisqu'elle n'est pas veut. mariée, donc Elle n'est pas mariée, elle ne peut voilà, c'est être ça. qu'ainsi. Alors, elle ne peut pas se marier pendant cette période-là. Hein? Sauf après cette L'accouchement. période-là, qu'on appelle la période de viduité aussi. Même Qui se termine par Zen, qui l'accouchement. se termine par l'accouchement. Et après son accouchement, elle peut se marier, Inch'Allah. Mais avant, non. Mais l'enfant n'aura pas La filiation, la je sais pas, filiation. selon la loi française, mais Parce qu'il est né. selon la Non! loi islamique, Parce il n'aura pas la filiation qu'il est à né son père. hors cadre du Voilà, mariage, c'est donc. ça. Et il aura la filiation de sa mère.
D'accord, d'accord. Nous allons, cher frère, vers une toute petite transition. Restez avec nous après un instant, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور جوهري مدام مرحبا بكم
De nouveau, et nous avons au bout du fil, c'est Madame Lamia de France. Allô? Oui, allô, bonjour, Bonjour, salam alaykoum wa salam, rahmatoullah marhaba. wa barakatouh. Voilà, j'ai une question qui m'embête beaucoup. J'ai accouché il y a 2 mois. Aïwa. Et depuis, j'ai toujours le sang et le problème, c'est que je voulais savoir, est-ce que je peux reprendre la prière ou pas? Parce qu'au moment où ça s'arrête un peu, je m'apprête à vouloir faire la prière, mais le sang revient. Et du coup, je suis complètement démunie. Je ne sais pas si je peux reprendre la prière ou pas malgré le sang. D'accord, docteur Djouré, vous posez une question. Salam alaikum, ma soeur. Allô? Allô? Oui, je suis là. Allah ybarak. Est-ce que pendant cette période-là, vous avez eu une interruption plus de 3 jours? Non, ça s'est arrêté juste un jour. Ouais. Et après c'est D'accord. revenu et depuis bah, ça D'accord, s'arrête d'accord, pas. d'accord, d'accord. Et vous avez atteint les 2 mois, c'est ça? Oui, j'ai atteint les 2 mois. Bébé a 2 mois et bientôt 15 jours. Eh, là, il perd. Au-delà des deux mois. D'accord, madame, on va vous répondre. Alors, concernant, déjà accouché Mbrouk, concernant la période des loki ou la nifas, dans notre école juridique, c'est-à-dire le malikite, ça ne doit pas dépasser les 40 jours. Il y a d'autres écoles où c'est 2 mois, 60 jours. Ça veut C'est-à-dire, dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. c'est-à-dire que si la femme a perdu en quelque sorte le sang des loups qu'il a avant cette période-là, elle va faire un intervalle de 3 jours. Hein. Peut-être à 15 jours, à 18 jours, à 20 jours de son accouchement, après l'accouchement, elle n'a plus de sang. Voilà. Elle observe 3 jours. Elle ne fait pas la prière directement. Elle observe 3 jours. Hein? Il n'y a pas de sang pendant les 3 jours. Le quatrième jour, elle reprend sa prière. Sinon, sinon. C'est-à-dire, cette période-là, Ta'anfès, est terminée. Mais le problème, c'est chez une femme où le sang hein, est toujours là, 20 jours, 25 jours, 30 jours, 40, hein, jusqu'au 40e jour. Chez les Malikites, ils disent jusqu'au 40e jour, elle ne fait pas sa prière. Mais le 41e jour, malgré qu'il y ait du sang, elle va prendre sa douche de culte, l'ibada, Oui, hein. Et puis, grande ablution. Les grandes ablutions. Et puis, elle fait ses précautions, bien sûr, hein, pour ne pas voir le sang s'écouler, etc. Ou l'inajes, hein. Elle prend ses précautions, hein. C'est-à-dire, maintenant, il y a beaucoup de moyens pour prendre ces précautions. Oui. Voilà. Et là, elle reprend sa prière. Et ce qui est au-delà des 40 jours, on l'appelle demustihala, c'est-à-dire, c'est un sang qui n'est pas issu de l'accouchement. C'est dû peut-être à un problème biologique, médical, etc. Il y a en quelque sorte un problème. Il faut y aller, bien sûr, chez le médecin, etc. Alors, ça ne ressort pas de ce qu'on appelle demnifes, le sang du nifes, au-delà des 40 jours. C'est-à-dire, Ouais. une petite précision, un détail. Ouais. Elle fait ses grandes ablutions, le ghusl, Ouais. lorsqu'elle veut reprendre la salate. Oui. Mais elle ne fait pas ses ablutions à chaque fois qu'elle voit le sang. Non. Non, 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 La non. première fois La pour première reprendre. fois. La première fois seulement. Et puis elle fait le wudu, comme le wudu l'asghar, les petites ablutions, comme elle en a l'habitude de faire. Et elle prend ses précautions par un tampon ou par des serviettes, etc., pour, c'est-à-dire, être un petit peu propre pour D'accord. faire sa prière. Et puis, D'accord. même s'il y a un ramadan qui arrive, pour certaines femmes comme ça aussi, elle peut faire le ramadan si elle n'allaite pas son bébé. Hein. Et même pour la relation conjugale avec son mari, elle est permise. D'accord. Oui. C'est au-delà des 40 jours. Hein. Et chez d'autres écoles, et chez les Chafi'ites, c'est 60 jours. Ouais. Et Ijtihad.
Il y a les deux écoles, elle a fait des sens. Voilà. Normalement, elle doit reprendre sa prière. Bon, j'aimerais connaître les devoirs et les obligations de l'homme. Oui. Je me marie bientôt, Inch'Allah. Elle va se marier. Inch'Allah. Et nous travaillons tous les deux. Oui. Est-ce une obligation pour moi de participer aux charges de la maison, diverses factures, les factures? Ou alors c'est son obligation? De moi-même, j'aurais participé bien. Sans qu'il me le demande. Mais comme me le demande, ça me dérange. Oui. Et je ne veux pas remettre en cause le mariage. Je ne veux pas remettre en cause le mariage. Oui, c'est... Je veux savoir, car mon intention est d'arrêter de travailler d'ici peu, étant marié. Inch'Allah, Rabbi oufrek. Il y a deux volets dans la question. Bon, déjà, ce n'est pas une obligation. Il faut le dire. Il faut le dire et il faut le dire franchement. Que l'homme le veuille ou pas. Voilà. Subhanallah al-Azim. Yibghi al-Rajoul, la mayibghich. Les charges du couple, les charges du foyer, les charges conjugales, etc., c'est au mari de s'en occuper. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. C'est pour ça qu'il a deux parts de l'héritage. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Alors c'est un ensemble en quelque sorte. Il faut assembler. C'est un système. منظومة نسق تشريعي. Voilà. Mais ça reste que oui, par amour, par je sais pas, par fraternité ou là, par mawadda, waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma, elle peut contribuer à ces charges-là. Elle peut s'en charger de quelque chose si elle voit que son mari dans la difficulté, etc., selon le degré selon le degré de son amour envers son mari. Mais je ne veux pas pleurer, Monsieur Migari, parce qu'il est sensible. Je vais citer Sayyida Khadija. Khadija, radiyallahu anha wa ardaha, Ummuna Khadija, notre mère Khadija, elle a mis tout son argent, je dis bien, toute sa richesse à la disposition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Madame n'est pas crainte, mais voilà, à partir du moment qu'il me le demande, oui. Ça peut remettre en cause tout le mariage. Oui, c'est ça. Elle a le droit de refuser. Elle a le droit de refuser. Mais si elle le fait avec une bonne intention, sans que son mari lui demande, ben c'est bien aussi. Ça fait partie de la vie conjugale, la vie du couple. Voilà, le partage. D'accord. Ouais. Mais voilà, tu fais que Rodima Khadija radiallahu anha. Radiallahu anha. Adna de Bijaya. Oui. Tadori. Oui. De Bijaya. Adna, madame Sarah. Oui. Allô. Allô, oui. Allô, monsieur Fahl Khair. Khair, marhaba. Allah, c'est le mec. Oui. J'ai une très très bonne amie, elle a trois enfants, elle a trois enfants, disons quatre enfants. Quatre enfants. Et parce qu'elle a trois garçons et une fille, c'est pour ça, disons quatre enfants. Un bon d'âge de 11 ans, il y a un peu de temps, elle a soi-disant plus quoi, elle a des quartes, mais chez des quartes, c'est pas ensemble. ومن بعد هذيك بون مازال ما دكواطو مازال ما عاودوا عقد الزواج. دوك البروبليم كي سي باس سي هو يجي يعاود يجي لالجي مي يبارطاج لو ميم لي. دوك هي حابه تعرف لو لي هذاك يبارطاج راهي في الحلال ولا راهي في الحرام معاه. سان جو افيك لو فو. الوغ هو دوك هو قالها لا ما عنديش نية الطلاق. ما طلقتك فمي طلقتك برك ادمي لا لا ما كاش الطلاق ما وقعش الطلاق فعلي. دوك هو يقعد امه نعاود الفاتحه ولا واش ندير باش صافي 11 سنه ومازال ما عاودوش العقد. Mais oui. Il vient à la maison, qui dit les vacances, ou qu'est-ce qui s'en suit, pour lui, moto. Non, c'est clair, c'est clair. C'est comme si mari et femme, mais même aux yeux de ses enfants, ils sont mari et femme. C'est clair, madame. C'est clair, on va vous répondre. D'accord. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.
C'est malheureux. Malheureusement, moi j'ai C'est entendu, malheureux. c'est-à-dire ce type d'histoire-là. Hein. Aïe, Moi je aïe, l'ai aïe. entendu, c'est-à-dire fréquemment. Hein. D'abord, impérativement, qu'est-ce que Ouais. vous dites? Subhanallah, Impérativement. subhanallah. Et, On ne joue pas avec ça. قبل Le ما نبدأ, prophète, chauffeur, le prophète il n'a sallallahu pas. alayhi wa sallam a dit Oui. dans un hadith authentique, il a dit Thalathun, jidduhunna jiddun, wa hazluhunna وهزلهن جد. jiddun, النكاح والطلاق والعتق. Ça ne supporte pas le hasl. C'est-à-dire, on ne joue pas avec ces trois choses-là. Le prophète salam, a dit, vous ne jouez pas avec talaq, vous ne jouez pas avec zouaj, et vous ne jouez pas avec le fait d'affranchir atqtum. Non, tu n'es pas libre, hein, tu es toujours mon esclave. Non. Une fois que vous avez prononcé ça et vous avez fait une procédure pour là, c'est pas le fait de le prononcer seulement, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, ils l'ont inscrit à l'état civil, qu'ils sont divorcés, etc., pour qu'ils puissent faire ses papiers ou je sais pas quoi dans un autre pays. Là, ils sont divorcés. Et toute relation conjugale entre eux, sans qu'il y ait un renouvellement d'acte de mariage, est considérée comme étant fornication. Zina ou l'iyadu billah. Zina ou l'iyadu billah. Ou Ibn Zina. Il n'a pas la voilà, il n'a pas le droit à l'héritage ni à la filiation, etc. Si vous permettez. Mais ils peuvent. Régulariser ça. Hein. C'est parce qu'il y a l'idda qui est déjà consommé. Si une autre paire de manches, ils peuvent renouveler. Voilà. Mais il n'a pas le droit. Khlas, ajnabi. C'est-à-dire qu'il ne peut, il peut pas vivre avec elle dans une seule maison. S'il vous plaît. Alors là, de dormir dans un même lit. S'il voilà. vous plaît, docteur Jouhri. Non. Je vais vous pour les papiers. Ouais. Mais cas, il y a des cas en Algérie pour un appartement. Pour un appartement sous la formule d'ADR, voilà. par exemple. Oui, oui. Mais il y a un appartement l'appartement, il طلق بالكوارط. Subhanallah. Avec sa femme, elle dit non, c'est pour l'appartement, mais c'est un talaq. Ouais. C'est un divorce. C'est considéré. Oui, il est un talaq. Et en plus, c'est un non non, c'est un divorce approuvé par un juge. Plus assez si encore. C'était si c'était seulement un divorce comme ça prononcé entre mari et épouse, et puis il peut la reprendre avec un c'est-à-dire irja'ha, talaq raj'i, pendant la période de viduité, il y a pas de problème. في العدة ولا يرجعها بعقد جديد عرفي أبريل مي لا إلي تابروفي بار ان جوج بار اون ليجيسلاسيون كيلكون بار 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 اون انستيتيوسيون سبحان الله واحدة مع افيك سون ماري وداروا هاد لو ديفورس على ديال لابارتمون وبقاو عايشين الو لما سمعت الحكم تسرعت Bien sûr. طاحت في الارض. Bien sûr. بقات عي. On joue pas avec ça. On joue pas avec ça. Mohand d'Alger. Allô, monsieur Mohand. Hadou يقدموا الدنيا على الاخرة. Allô. Allô, oui. Salam alaikum. Salam, مرحبا. Voilà, mon problème, c'est que j'ai un fils. Il porte la barbe, il est toujours en camis. Donc, je voulais le marier l'été prochain. Inch'Allah. La dernière minute, il était d'accord, etc. La dernière minute, il y a dit qu'on va célébrer le mariage sans la musique. Juste, Njibo, Wasmam, Dahin, ou Lamanis Arab, alors chose qu'on a refusé. Étant donné que notre culture en Kabyle, tous les mariages se font avec la musique. Oui. En plus de ça, lui, pour lui, l'habillement, gars, qui m'a raconté tout le monde, c'est-à-dire costume, cravate, tout là, pour lui, c'est interdit, haram. Voilà. Oui. La musique, c'est haram, tout est haram. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, je vous remercie. Marhaba, on vous a bien compris, docteur Simhant. Pour notre frère. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans l'obligation de lui faire le mariage, vous. Hein. Ah, ouais. Vous n'êtes pas dans l'obligation de lui faire le mariage. Laissez-le faire son mariage tout seul et qu'il se prenne en charge. Sinon, il sera lié avec les traditions, oui, et sans abus aussi dans les traditions aussi.
Mais quand même, chez nous en Kabylie, comme je le connais, alhamdoulilah, c'est-à-dire le mariage se passe dans le plus normalement du monde, les femmes séparées, les hommes séparés, il y a de la musique chez les femmes, il y a de la musique. Voilà, vous êtes aussi Kabyle, vous aussi. Alors, nous connaissons nos traditions, c'est-à-dire, il n'y a pas des cieux où ils peuvent rentrer comme ça pour nous dire, eh ben, vous êtes à côté de la plaque, l'islam ce n'est pas ça. Non. L'islam, c'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres, c'est ce qu'on a hérité des sahabas. Les ancêtres ont hérité l'islam du juste milieu. C'est le prophète alayhi salam qui a dit « هَلَّ أَعْلَنْتُمْ عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ هَلَّ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي فَإِنَّ الْأَنصَارَ قَوْمٌ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ » etc. Et c'est une, je sais pas, c'est une tendance, je dirais pas une école, hein. C'est une tendance maintenant qui essaye de se propager dans le monde musulman pour rendre la vie simple des musulmans, la rendre triste et obscure, je sais pas, subhanallah. Et l'habit que le prophète alayhi salatu wassalam a mis, hein, c'est le même habit que Abu Jahl. C'était la tradition de son environnement. Nous allons y revenir, Inch'Allah, Dr. Johri. Merci, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, d'autres fils à l'aïe wa hifdih. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbal Alameen, Allahu Allah, Salli ala Taha al-Amin, Allahu Allah, Fi kulli waqtin wa hin, Allahu Allah, قلبي باليقين الله الله.